Et salut à tous les gens, j'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas moi comme d'hab, c'est le feu les gars. Comme vous avez vu dans la vidéo vocation, on a chopé tous les nouveaux personnages. En plus de ça avec pas mal d'étoiles, notamment le hit extrême. Donc voilà, les 999 pour RZ qui ont fait le taf. Clairement ici on a eu un peu de chance vraiment, même si on a bloqué quand même 11 000 cristaux. Donc on va le jouer le Goku ici le showcase. Tout d'abord on fera le Vegeta demain. Le Goku, vous allez voir qu'il va faire très très mal, qu'il va faire des très très bons dégâts. Vraiment c'est un personnage qui va faire extrêmement mal. Je ne vais pas vous montrer son passif, je pense que vous l'avez vu de nombreuses fois. On va écourter la vidéo au maximum. La team famille Goku ici clairement, on va booster les dégâts strike au maximum. Le Goku SSJ4 à 3 étoiles rouges évidemment on va le jouer, mais vous allez voir que seulement à 3 étoiles il fait vraiment le taf. Donc les gars on va partir faire des games ici. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Vraiment les gars vous êtes beaucoup à ne pas être abonné, explosez moi le compteur d'abonnés. On va monter au 2100 et même plus encore les gars. Je vous remercie et on va partir sur les games. Bon match-up intéressant ici, un match-up intéressant forcément face à la fusion. Vous allez voir, hein, c'est un très bon contre à la fusion en général, à la fusion strike évidemment. On va partir sur le même trio comme d'habitude, on va pouvoir contrer la Kefla avec le Goku SSJ4, c'est quelque chose qui est quand même assez fort. Attention quand même hein, au Vegeto Blue comme d'habitude, hein, le Vegeto Blue qui va faire mal, d'autant plus qu'on n'a pas de verre vraiment très très fort, enfin j'en ai pas en tête, un verre strike dans cette team là. Parce que même le Goku Kaioken, Goku et SSJ4 sont des personnages Kikoa. Donc bon, on va jouer sans verre, on va réussir à le faire. Hein. Ok. Voilà les premiers dégâts. Voilà sur Vegeto Rouge, on risque rien. On risque rien. Ok, dommage, on n'a pas une si bonne main que ça quand même. On n'a pas une si bonne main que ça. Ok, bah il va commencer à nous faire mal par contre. Non, ça va. Allez c'est parti direct ici. On va strike, il va mettre... Je pense qu'il va mettre le VB, non? Il y a moyen qu'il mette le VB ici. Voilà, ça c'était tout à fait logique. Ok, bah ça c'est pas du tout ce que je voulais faire. Par contre le VB avec la vitesse de pioche en moins, là par contre c'est vraiment fort. Parce que là du coup, bon il va quand même piocher ses strikes, hein. Il va quand même piocher ses fameux strikes. Aïe 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 aïe. Dommage, on n'a pas la cover strike ici. Qui aurait pu nous carry un peu. Bah, vitesse du pioche moins 2, je la vois pas personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la vois pas. Ok. Bon, on n'est pas mort. Nice. Ok, là on va taper. Je vais tenter quelque chose. J'espère qu'il a switch, mais je suis pas sûr. Hein. Bon, on a eu chaud un petit peu quand même. Ça va, on va pouvoir s'en sortir. Ah ouais, là ça fait mal. Là ça fait mal, on va donner le SSJ4 ici, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix, c'est le showcase du Goku, hein. C'est son showcase. Bon là, je vous avoue que je suis pas très très bon. Hein. Attention avec la Kefla, il va pouvoir nous tuer ici. S'il est assez intelligent pour le savoir, il vient avec la Kefla. Va-t-il le faire? On dirait pas. On dirait pas. Ok, nice. Ça, je sais pas. Pourquoi il a switch? Franchement, très très bonne question. Pourquoi il a switch ici? On va aller tuer. On va aller tuer la Kefla ici, clairement. Si ça passe, on tue. Oh, les dégâts. Oh les dégâts strike du perso ici. Attention on est quand même très très loin de la win ici. Le mieux ça serait pouvoir tap attaque, parce qu'on a quand même réussi à temporiser un petit peu. 9 millions. On a eu chaud là. Nice, ça c'est bien pour nous. Voilà, on a réussi à temporiser un petit peu, c'est pas énorme, mais on réussit à temporiser, la game va être très très serrée, je pense qu'il a clairement l'avantage, d'autant plus qu'il a encore pas ulti avec Vegeto Blue. Voilà. Voilà ce qui peut faire qu'on a perdu la game, hein, je pense. Hein. Est-ce qu'il va... Oh, la cover strike, j'avais oublié. J'avais oublié la cover strike.
On va tuer le végétaux ici. La cover strike, je l'avais oublié, les gars. Je l'avais oublié. Bah, misplay à moi quand même d'avoir oublié ça. Nice. Et on tue le VB ici, les gars. On tue le VB. On perd quelques boosts par contre, hein, vu qu'il a pu. Ok, on a bien entendu. Ça devrait être gagné là. Ça devrait être la win là. Nice. Nice, et on va gagner, les gars, cette game. Grosse, grosse game et belle victoire. Je suis très, très content de cette game, encore une fois. On est chaud, j'ai très mal joué. Je vous avoue que là, mon niveau est vraiment catastrophique. Voilà, je suis quand même en finale du tournoi, les gars. En finale du tournoi, là, abonné, mais bon. Là, c'était vraiment pas terrible. Heureusement que je joue pas comme ça, sinon j'aurais été éliminé depuis longtemps. Bref, on va faire une autre game. Bon, alors ça, ça faisait très, très longtemps. Hein. Ça faisait très, très longtemps. Une petite team film. Attention, il y a énormément, énormément d'étoiles en face. Elle est toujours très, très forte, cette team. Peut-être pas dans les 5 premières meilleures parce qu'elle a, elle a plus trop d'ajouts. En fait, cette team, ça a été beaucoup de personnages en très peu de temps. Et au final, c'est pas très bon pour une team pour le futur parce qu'à un moment donné, elle est très, très forte. Voire même, ça a été la meilleure team du jeu passé un moment. Mais elle est vite rattrapée par le temps et les nouveaux personnages qui sortent sont de plus en plus forts. Donc voilà, on connaît. Ça commence mal ici, hein. Gonjon qui vient taper, on va pas trop switch ici, hein. Là, on va pouvoir faire entrer direct, voilà, on va pouvoir faire ça. Clairement, on va faire ça, au moins on aura vitesse du push pour toute la game, après s'il nous met le Vegeta, bon. Ok, il tape direct, bien joué à lui quand même, bien joué à lui ici. Il a encore de quoi bien nous faire mal. Quoi ? Il m'a mis 3 cartes. Les gars, il m'a mis combien de cartes là? Alors là, je suis surpris. Hein. Alors là, mais pas du tout. Hein. Ok, il a mis des cartes avec Gohan, mais à ce point-là, là, c'est abusé. Hein. Alors là, c'est abusé. Hein. Ouais, bah, et voilà, la game qui va vraiment être pas terrible. Hein. Breakover. Allez, tiens, toi, tu prends par contre. Ça, c'est pas trop, trop grave. On va tuer, on n'est pas si mal. Hein. On n'est pas si mal, attention ici, parce que le Bojack derrière. Oh, faut qu'on tue, il faut qu'on tue. Si on tue, on est très bien. Nice, voilà, le karma qui le rattrape. Voilà, par contre, vous avez vu les dégâts. Là, pour l'instant, le Goku, vous avez pas vu grand chose. Mais ça allait trop vite. Ça allait trop vite, et je pense que si je vais vous la montrer si je la gagne, parce que c'est quand même assez surprenant cette affaire. Le Goku Zenkai qui va faire la game à lui tout seul si ça continue. Bah, il va faire la game tout seul. Ok, ok, bah, je vais vous montrer ça, les gars. Je vais vous la montrer rapidement. Mais bon, bah, là, Goku a quasiment rien fait. Trop fort! Alors, ça sera une team fusion en face. Et ce qui va être très, très intéressant, c'est qu'il a pas énormément d'étoiles en face. Donc, avec le Goku, on va être quand même à étoiles équivalentes. Et ça va nous permettre de nous donner une autre horde d'idées, pardon, quand même. Parce que tomber face à des plusieurs étoiles rouges, c'est quand même pas très représentatif de la force du personnage. Même si. Il a tout à fait de quoi faire face à ces personnages. Je dis pas que c'est un personnage incroyable, Goku, mais je dis qu'il peut faire de très très belles choses. Donc voilà, on va voir ça. Allez, let's go. Ah, il prend pas Vegeto Blue. Alors ça, c'est surprenant. Bah là, on va mettre le Goku directement ici, hein. Ok, les dégâts sont vraiment satisfaisants ici, hein. Ils sont pas incroyables, mais voilà, satisfaisants, c'est le mot. Ok, dommage, on n'a pas eu trop de chance. Voilà, vous voyez les Keflas, ça fait mal, mais... Ouais, si, ça fait mal quand même. Si, ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal, dommage, on n'avait pas de verte ici. Donc bien sûr, un générateur de cartes vertes avec ce personnage, c'est très très fort, mais malheureusement, on n'en a pas ici. Ok, il transforme Gotenks. Bon, il pourra pas combo. Bien joué à lui, étape attaque quand même, bien joué à lui. Waouh. Allez, on va mettre le Goku ici. Ok, on l'a vu. On l'a vu là, on peut. On a bien tempo quand même.
Nice. Oh là là, les dégâts. Ah bah là, c'est vénère. On va garder le Goku ici, hein. Oh, quoique. Les gars, c'est quand même tentant. Hein. C'est quand même tentant. On va tuer la Kefla. On va quand même aller. On va aller tuer la Kefla. On a encore quoi faire, hein. La game n'est pas finie. Bon, là, par contre, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en tuant le personnage adverse, on enlève un boost à notre Goku. Mais bon, c'est quand même pour la bonne cause. Mais c'est un peu chiant quand même. Là, pas de pro. Oh, l'erreur. Il a pas eu de bol quand même, mais là l'erreur, hein. Là l'erreur, parce que là c'est la mort. Donc là on est en train de gérer la game. La team elle commence à être vraiment vraiment forte. Est-ce que le Goku va lui permettre d'être au top? Je ne pense pas, mais en tout cas elle garde son niveau à peu près constant en fait, c'est ça. Voilà, là par exemple, ici, bon, on a perdu des boosts, hein, vous voyez, hein. Après voilà, ça nous empêche pas, ici on récupère du ki sur chaque Kikoa, donc ça c'est très très bien. Et là si on a la chance d'avoir une strike de plus, je pense qu'on tue. Bon, on va tuer, mais c'était pas dans le combo, c'est pas grave. Donc là, il a fait du très très lourd, les gars. Le Goku a fait du très très lourd. Vous avez vu les dégâts sur un Zamasu violet, imaginez-vous sur un jaune. Autant vous dire que c'est 2 strikes, 1 kill, clairement. Donc là, il a fait du très très gros taf. Et faut pas oublier que du coup, vous avez la vitesse du push avec Goku, la vitesse du push avec Goku Zenkai. Ça fait 2 personnages, donc les Dragon Ball vont aller très très rapidement. Bon, ça a pas l'air d'être un énorme joueur en face, hein, mais malgré tout, il a quand même une super team. J'espère qu'il va prendre du jaune. Je pense pas, je pense qu'il va prendre Rosé, Zamasu et Vegeta. Si, j'aimerais bien qu'il prenne du jaune. J'aimerais bien qu'il prenne du jaune. Ça serait tentant pour lui, hein, face à un Goku SSJ4 avec autant d'étoiles. Ça serait tentant de prendre Jubai, j'espère qu'il va le faire. Donc voilà, j'ai très 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 hâte de tester le Vegeta, les gars. Donc le personnage qui était également disponible dans ce portail, parce que vous allez voir que les deux personnages peuvent également être joués ensemble et qui peuvent très bien comboter, parce que ce Goku a des boosts quand les alliés sont morts et le Vegeta donne des boosts quand il est mort. Vous voyez le délire un petit peu. Ok, pas de Jubai, c'est prévisible. Hein. Là on va lock ici. Là on va lock et en plus on rend du ki. Vous avez vu le Goku rend du ki quand il switch. Pardon, non, je dis n'importe quoi. Je dis absolument n'importe quoi, il faut pas écouter. C'est le Goku qui en gagne quand il rentre sur le terrain. Je me disais, j'étais en train de réfléchir. Ok, donc c'est cool pour lui, là il va peut-être mettre le rosé. Ça passe pas. Et oui, là par contre ça fait bobo. Là ça fait bobo ici, on va pas Rising Rush, je vois pas trop l'utilité ici. Ah, bien joué à lui. Bien joué à lui, donc là le rosé qui va nous faire mal, on va switch, hein, parce que le Goku, il est quand même pas hyper tanky à 3 étoiles. Par contre là le Goku SSJ4, c'est pas mal quand même. Oh, bien joué, bel tempo en face, quand même, bel tempo. On est en train de peiner un peu, hein. On va faire mal. Oh là 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 là. Oh, vous avez vu là. Là, là ça fait mal. Là ça fait mal, imaginez sur du jaune encore une fois les gars, imaginez sur du jaune. Et encore on n'avait pas fait la carte verte avant. Ok, le petit lag de l'adversaire, ça rend pas la game très très agréable. Bon, on va tuer ici. Donc là, on s'est enlevé un boost, hein, comme je l'ai dit. On risque rien. Là, on risque rien, mis à part s'il ulti direct. Et même là, je pense qu'il nous tuera pas. Donc là, l'adversaire qui a une co vraiment pas terrible en face, quand même. Moi, ouais, il nous tue pas. Waouh, il nous tue pas. Il était pas si loin que ça. Hein. Et là, vous avez vu, on a réduit la. La régène. Oh, on n'arrive pas à le tuer, hein. On a réduit la régène, donc là c'est fort. La régène de 80%, vous avez vu, en 50 secondes, c'est très long. C'est très long, il a pas pu se soigner. Et là, regardez les Zamasu, il ne peut pas soigner. Il ne peut pas soigner. Donc là, bon, pour l'instant, il n'en a pas besoin, mais bon. On est en train de dominer la game. On est clairement en train de dominer la game. Là, on risque vraiment rien. Et même si nous Rising Rush, on a encore le Goku. On est trop bien, on a gagné la game. On a clairement gagné la game ici. Allez, on va aller chercher le bonus pivot ici, c'est son showcase quand même. Vous avez vu là, quand il n'y a plus qu'un allié, un adversaire, pardon, c'est quand même pas les mêmes dégâts. C'est quand même pas les mêmes sources de dégâts. Bon, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire, c'est pas grave ici, on va se soigner. Et on va aller gagner la game.
Il veut pas donner la victoire. Bon, c'est bon, là ça va faire. Nice, bon c'est la victoire ici, on va s'arrêter là pour choquer de la game, de la team, et surtout du personnage. Qu'est-ce que je pourrais en dire pour terminer? Pour moi c'est un personnage de rang entre S et SS. Pourquoi? Parce qu'il manque de tankiness. Vraiment sa tankiness c'est son gros point faible, et le fait de tuer les adversaires, bon c'est pas plus mal parce qu'on a quand même une avance sur la game du coup. Mais bon, pour moi ce n'est pas un excellent personnage, c'est un très bon personnage avec des étoiles. Et je pense des étoiles rouges à 9 étoiles, je pense qu'il est ouf, clairement je pense qu'il est oufissime. Et surtout sa cover strike, vous l'avez vu, hein, c'est très très fort. Donc voilà, on va se laisser ici les gars. Je vous souhaite bon courage pour vos invocations. Bon farm à tous comme d'habitude. Je vous aime très très fort, on se retrouve très prochainement pour la finale les gars, la finale, j'y serai. Ciao.